Bonsoir à toutes et à tous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Tel est le texte que nous utilisons pour Noël. Effectivement, nous devons nous réjouir de ce Noël. Mais cette année, tout est différent. Tout est autrement. Nous ne pouvons pas fêter Noël comme d'autres fois. Nous ne pouvons pas nous réjouir comme d'autres fois. Nous avons tous en mémoire tout ce qui se passe autour de nous et qui est arrivé et qui se déroule encore avec cette pandémie mondiale qui ravage la Terre avec ces millions de personnes décédées, ces millions de personnes malades. Effectivement, nous ne pouvons pas fêter Noël comme nous le ferions d'habitude. Mais rien ne nous empêche les uns les autres de nous réjouir des personnes qui sont encore là et de nous réjouir avec les enfants qui vont encore grandir dans l'espérance, tout comme nous. Effectivement, c'est différent, mais nous gardons au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur, dans notre espérance, avec l'Éternel, l'espoir de pouvoir nous retrouver les uns les autres différemment, autrement, après. Alors certes, le sapin est mis, décoré de boules, d'étoiles, de personnages, de petits symboles qui nous font penser à ceux qui ont réalisé les décorations, que cela furent des enfants, que cela furent vos enfants, vos amis, vos camarades. Oui, effectivement, en cette année, les pensées vont surtout à toutes celles et ceux qui ont œuvré et qui œuvrent toujours encore au service de leur prochain. Mais je ne vous oublie pas, les uns les autres, qui avez œuvré tout ce temps durant et tout ce temps à venir encore. Oui, nos anciens, nous les gardons aussi au fond de nous, dans notre cœur, pour ceux qui sont encore présents. Et ils sont là, présents en notre cœur et en notre espérance. Nous ne les oublions pas. Nous n'oublions pas non plus les personnes défuntes. Alors les uns et les autres, j'aimerais vous souhaiter un joyeux Noël. Aussi joyeux peut-il être. Et n'oubliez pas, on se retrouvera pour de nouveaux moments, ensemble, les uns et les autres. Aimez votre prochain, faites rayonner le message de Noël, quand bien même on ne peut pas être présent au domicile de l'un ou de l'autre. Pour tendre la main, pour donner la main, et nous pouvons prier. Et je le répète, mes prières ne sont pas vaines. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Prenez soin de vous.